Lancé pour la première fois sur l'antenne de France 2 en 1998, afin de succéder aux émissions dominicales de Jacques Martin, Vivement Dimanche s'est imposé au fil des années comme l'un des programmes incontournables de France 2. Présenté chaque dimanche après-midi par Michel Drucker, ce rendez-vous hebdomadaire est entré dans l'histoire de la télévision française. Cependant, à l'occasion de cette nouvelle saison, la direction de France Télévisions a pris la décision de changer l'émission d'antenne. Ainsi, CIST désormais sur France 3 que le programme de Michel Drucker sera diffusé chaque dimanche. Le premier numéro de Vivement Dimanche visible sur la troisième chaîne est prévu pour le dimanche 28 août 2022, à partir de 13h30. Bien évidemment, ce changement d'antenne s'accompagne de plusieurs modifications au sein de l'émission. Vivement Dimanche sur France 3, que les téléspectateurs retrouveront de 13h30 à 15h chaque dimanche, reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Après 2 ans de crise sanitaire, Vivement Dimanche ouvre à nouveau ses portes au public pour le tournage. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talentiers, d'aujourd'hui et de demain, chanteurs, acteurs, humoristes. A indiqué la chaîne publique dans un communiqué. Vivement Dimanche, Franck Dubosc sera le premier invité de Michel Drucker sur France 3 une fois par mois, un hommage sera rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes sera aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière. Le premier artiste évoqué sera Bourvil, un de ses fils, Philippe Rimbourg, c'était le nom de Bourvil, brillant universitaire, sera là pour évoquer son illustre père. Suivront Mathias Moncorgé qui parlera de Jean Gabin, son père, et plus tard Alexandre Brasseur reviendra sur son père Claude et la tribu Brasseur. Bien d'autres suivront au cours de la saison. Le mythique Canapé Rouge accueillera les comédiens qui font le succès éclatant des fictions de France Télévisions, les rôles principaux, mais également les seconds rôles qui sont les têtes d'affiche de demain, a également ajouté France 3. Michel Drucker mettra aussi dans la lumière un nouveau magicien, David Jarr, qui viendra en alternance avec le mentaliste Victor Vincent. Par ailleurs, Nathan Dever, écrivain et chroniqueur littéraire, guidera 2 fois par mois les téléspectateurs dans leur choix de lecture en nous présentant sa sélection. Le caricaturiste et dessinateur de presse Chonu sera de nouveau aux côtés de Michel pour refaire la carrière de l'invité principal. Bien entendu, Michel Drucker continuera de recevoir les humoristes qui ont fait le succès de Vivement Dimanche, Anne Roumanoff, Olivier de Benoît, Mathieu Madénian, Willy Rovelli mais aussi la télé des Baudin et les nouveaux visages du rire, a finalement conclu la troisième chaîne. Pour ce premier numéro sur France 3, Michel Drucker recevra Franck Dubosc.